Ay, ay. All I've been to is your mess. Ay, can't keep my dick in my pants. Ay, my bitch don't love me no more. Ay, she can't. Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo Minecraft des familles, ça faisait longtemps. Il était temps d'ailleurs. On va se retrouver sur un serveur secret de RinaOrc, un serveur, un mode de jeu qui n'a pas encore été dévoilé. Je fais cette vidéo dans le but de justement avoir votre avis sur le mode de jeu, avoir des retours de votre part. Donc là je vais partir avec Alox, Kylian et Swiman. Notre objectif ça va être de tuer le plus de zombies possible. Donc vous verrez un petit peu tout au dénouement de la partie, on va se retrouver dans des situations quelque peu cocasses. Donc notre objectif à nous sera en fait pour défendre le village. Mais on va être contre parce qu'il y aura une compétition entre nous. C'est-à-dire que celui qui va tuer le moins de zombies va devoir chanter une chanson a cappella. Et là ma gueule, personne veut chanter une chanson a cappella. Là vous allez voir que ça va être assez drôle. Puis je vous laisse regarder la vidéo. À la fin de la vidéo j'aurai des petites questions à vous poser pour avoir des retours sur ce que vous venez de voir. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ok du coup les gars, je vous rappelle le challenge. Ça va être notre but, ça va être de survivre le plus longtemps possible face à des hordes de zombies qui vont arriver vague par vague. Et bien évidemment le dernier, donc c'est-à-dire la personne qui aura fait le moins de kills, qui aura tué le moins de zombies, devra chanter une chanson a cappella. On va partir dans la map Kari. Donc là vous utilisez la petite étoile dans votre inventaire pour choisir votre kit. Donc t'as le chevalier qui a un kit de base avec épée et une petite armure, le tank il a une meilleure armure, l'archer il a un arc, le guérisseur il est capable de te heal, et le coureur il peut se déplacer plus vite et sauter plus haut. Donc là en gros les gars, là tu vois il y a trois lignes là, sur la map il y a trois lignes et les zombies vont arriver par là. Donc au début ça va être chilou et vers la fin on va se taper des hordes de 400, 500, 1000. Donc, ça va être un bordel. What, j'ai un bâton, j'ai pas d'épée. En bas, si vous voulez courir. Qu'est-ce que je vais foutre avec ça, frère? Ah oui, je précise une chose. Quand tu tues des zombies, tu récupères des orbes. Les orbes, elles te servent à les échanger aux villageois. Donc, dans la ville, tu auras des villageois à défendre. Donc, là, par exemple, il y en a un, il s'appelle Jules. Tu cliques droit sur lui et tu peux voir, bah, il te vend des trucs contre des orbes. Eh, frère, jamais de la vie, je vais chanter la chanson a cappella. Donc, voilà. Pour le moment, là, il y a très peu de zombies au début, c'est assez facile. Et en fait, les zombies vont évoluer en nombre et en stuff au fil des vagues. Alors, la chair pourrie que vous récupérez, vous pouvez la jeter dans un hôtel. Donc, c'est un endroit où il y a de l'eau, où il y a marqué hôtel sacré. Ce qui se passe, c'est que la chair putréfiée, quand on en donne un certain nombre, ça nous rajoute des cœurs. Acheter une épée en diamant direct, frère. Tac. Tac. Voilà, là, on va pouvoir DPS comme il faut. Oh, trop vite, putain. Adam, il y a Adam, Ernest et Eric. Ah, ça y est, il y a des petits qui commencent à arriver. Les petits sont un peu plus chiants. Oh, il y a des iron zombies qui spawnent. Ça commence à être un peu plus dur. Beaucoup trop vite, hein. C'est insane la vitesse. Un bébé zombie qui est passé, vas-y je le rattrape. Ok nice. Y'a des bébés zombies qui sont en train de violer les villageois là. Ah parce que les bébés zombies peuvent buter les villageois. Ouais, le but c'est de défendre les villageois, tu vois, y'en a 12. Villageois restant 12. Adam il fait le malin hein. Adam il a pas peur des zombies frère, il est à la moitié du pont. Rajeunissement, soir de 10 secondes, ok nice. Ah, en plus j'en ai besoin. Y'a deux zombies en fer là. Let's do this. La vite manière que je vais pas chanter. Par contre, hey, commencez à faire gaffe à rester trop dans les tunnels, genre et là tu peux rester Keblo ouais. Eh viens pas me KS toi. Oh t'as foulant les gars. Il y en a 27. Je chante pas la chanson. Merde, je crois. Laissez-le mourir. Ah, c'est bon, calme. En vrai, si je perds, je sais même pas quelle chanson je vais chanter. Vague 8, le début de l'apocalypse. 63 zombies restants, ça commence à monter. Il y en a avoir de plus en plus. J'ai essayé un golem les gars. Ah y'a les zombies TNT frère. Alors eux, va falloir faire attention à eux. Il y a les zombies invisibles aussi. Emma, y'a des pieds de chainmail. Top, ça dégage. Les gars, je suis pas bien. Là-bas, y'a un TNT. Ah, je suis que niveau 20, putain, ça va être chaud, hein. Vas-y, je vais m'acheter des toutous. Ils sont là, mes toutous. Là, ils sont là, mes toutous. Pourquoi ils sont dans l'eau? Ah ouais, ils ont attaqué le zombie. Ah oui, y'a un zombie invisible, là. Ah, bien vu, ça. Mon toutou, ça. Prochaine vague dans 2 secondes. Ok, ça va arriver. Mec, je prends tellement cher. Le coureur, en vrai, c'est pas un avantage d'aller trop vite, hein. C'est plutôt handicapant. Oh, y'a des zombies en diamant, frère. Oh, ils sont grave loin à tuer. Oh mais quelle galère frère, on galère déjà à la vague 10 hein. Je vais mourir. Si tu meurs tu peux pas réapparaître jusqu'à la prochaine vague si on arrive à la terminer. Ah bah venez sur moi. Terrain nettoyé, c'est bon, vas-y, t'as clean tous les zombies. Oh y'a full zombie invisible là. Y'a mon chien, il attaque en mode OKLM. Allez, ça part. Un vaisseau. Faut que je trouve, est-ce qu'on... Emma, ce mec il KS là. C'est où le truc où on échange les chairs putréfiées là? Ah oui, c'est un hôtel. Bah faut que tu le trouves, je crois il est là où je suis. Ouais voilà, tu jettes tes chairs putréfiées là dedans. Tac. Voilà, hop. Les dieux étaient heureux avec la chair pourrie, alors ils t'ont donné un cœur supplémentaire. Voilà. Oh putain, on a 20 cœurs, frère. On est obligé de les tuer. Voilà, la TNT, faut y aller à la TNT, c'est ça qui est bon. Il est relou là en fait. Let's go. Ça tombe. Ça décède. Nice. La joie et la bonne humeur. Il y a 139 zombies, ta sœur. Il va falloir des PS fort là. Oh,
J'aurais pas dû foncer. J'aurais pas dû foncer. Ça arrive au centre, ça arrive au centre. Et les saisons 1 à la fin, les saisons 1 à la fin pour qu'on s'enchante. Ouais, là, il court vite lui. Il court vite. Il attaque Adam. Laisse Adam tranquille. Laisse Adam. Il a invoqué full loup. Il a invoqué la meute. Wesh, mais tes loups, ils sont. Hey, ils ont fait le taf, tes loups. Swifat, il a mis tous les loups. What the fuck? Vas-y, je vais faire comme vous. Acheter full, full dog. Allez, les toutous. Au pied. Au pied. Venez, venez. Intuable. Intuable. Mais attention, il nous reste plus que 8 villageois en vie sur 12. Donc ça a commencé à pas mal creuser. Ok, il y a le terrain qui a été nettoyé. Il y a plus de zombies. Il en reste encore 100. Ça repop. Allez, 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 allez. Oh là là, ça devient n'importe quoi, frère. Il y a tellement de zombies. Go dégager, go dégager. Dégâts doublés, dégâts doublés. Allez, 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 on décolle, on décolle, on décolle. En avant, Simone. Non, mais c'est juste les coups de. Je prends tarif, je prends tarif, je prends tarif. Ah, ça va dégager fort. Hein. Moi, je fais plus que les explosions. Vac 16, vac 16. Ok, il y a 256 zombies à tuer. Oh là 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 là, le bordel, frère. Vas-y, je vais pas là, là. Vous êtes tous au même endroit, bande de schlag. Oh yeah, j'ai châtiment 5, frère. Oh, j'ai châtiment 5. Allez, c'est bon. Putain, en vrai, le smite 5, frère, je vois pas trop de différence. Hein. Oh, moi, je la vois. Ah ouais, moi je trouve que je mets du temps à les tuer. Hein. Oh là 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 là, c'est le zbeul, tellement le zbeul, oh là là. Ok, ça décède. On enchaîne. Évidemment, tes ordres, on enchaîne. Frère, je sais pas combien de zombies j'en ai tué, mais j'espère que je suis pas le dernier. Hein. Il reste 5 villageois, les gars. Oh, frénésie. Il y a un zombie en un coup. Oh là 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 là. Oh, c'est parfait ça, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Allez, allez, tout le monde décède, tout le monde décède. Un coup, un coup, un coup, un coup, un coup. Ah là là, attends, j'ai racheté full golem. Ce que je vais faire, c'est que je vais les améliorer. Golem de Chica. Hop, tu fais shift. Améliorer les dégâts, ça part. Améliorer la santé. Améliorer la vitesse. Défense finale. La défense finale. Le golem explosera après la mort en tuant. Ah ouais, OP. 9 zombies restants. Ils doivent être vers les villageois, les gars. Merde, merde, j'ai jeté mon stuff. Elle compte. Ah, mais il est où ce con? Ah si, tu peux voir tes stats. Zombie tué 1130. Ouais, t'en as vraiment tué 1000? Ouais, et vous? Je suis à 350. 456. Ah, je suis à 325. Oh là là. Attends, mais comment t'as fait autant petit? Ah bah mec, je charbonne depuis tout à l'heure. Hein. Mais frère, moi aussi. Ouais, bah là, je vais travailler. Vague 20, vague 20. Ah là, vous avez intérêt à charbonner, les gars, parce que là, moi, là, j'ai de l'avance, hein, clairement. Oh, les mini, comment ils mettent tarif, les mini. Oh, les petits chétaneurs, là. Va-t'en, chétaniste. Enfant de Satan. Oh non, il y a des chétanistes. Je me fais comment par les chétanistes. Vas-y, Marc, de toute façon, t'as de la force, c'est bon. Ouais. Yes. 3 villageois, les gars, 3 villageois. Aïe, 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 aïe. Suman est mort, Suman est mort. On a perdu un collègue. Oh non, le bâtard. Allez, ça dégage. C'est à moi, ça. J'ai donné un peu d'aide dans le. Allez, vas-y, on fonce dans le tas, on fonce dans le tas. Allez, hop, on leur montre qui on aime. Voilà, voilà, rugbyman de la Ligue 1. Oh, c'est fini, on a gagné. Vagatant 23. Oh là 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 là, c'est terminé. On a tué un total de 4200 zombies, ma gueule. 526. 739. Mais c'est bon, c'est Swiman qui chante. Ah, c'est Swiman qui chante. C'est Swiman. Père. Yes. Du coup, Swiman, on t'écoute avec ta doigt douce et suave. Vas-y, Bilal Hassani, mets-nous bien. Hein. Alors, par contre, je vous préviens, je te dis, je vous mute. Hein. Vas-y, mute-nous. Parce que sinon, vous allez me déranger et tout, ça va être l'enfer. T'inquiète. Puis-je oublier ce coin de paradis, de petits bouts de terre, où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle qu'au rêve charnel. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy, et mon cousin Pedri. Et Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fuis tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudine Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gueule. On a les yeux qui brillent. Attends, il nous fait l'album ou quoi là? Ouais, c'était de la merde. Du coup, nous revoilà, le défi a été prodigieusement réalisé par Swiman ou pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Maintenant, je vais avoir besoin de vous. C'est vous qui allez devoir m'aider dans l'espace commentaire. Je tiens à préciser quelque chose, c'est-à-dire que ce que vous venez de voir, ça reste une bêta. Ma question est la suivante. Est-ce que vous aimeriez jouer à ce mode de jeu sur Inahork? Si oui, dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez un mode de jeu comme ça, mais plus orienté à la Call of Duty zombie, donc avec des armes à feu, plus quelque chose d'orienté avec de la magie, donc des classes, exemple un mage qui va balancer des sorts pour tuer les zombies, etc. Ou quelque chose d'extrêmement basique avec arc et épée, exactement comme le gameplay que vous venez de voir. Rappelez-vous bien que ce n'est qu'une bêta, que le mode de jeu n'est pas terminé dans sa globalité. Voilà, voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous remercie mille fois d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner. Ça fait deux fois que je le dis, je le sais, mais c'est important pour me donner un peu de force. Et on se retrouve à très bientôt sur Inahork. Je vous fais des bisous. Bye bye.